Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysir's Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les cancers, bienvenue pour votre lecture du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Donc voici ce qui va dominer votre mois de juin, les amis. On a l'ego. L'ego qui représente le diable dans le tarot de Marseille original. On parle de l'ego, on parle potentiellement aussi d'idées négatives, peut-être d'une situation toxique, d'une dépendance. Il y a cette notion, de peur qui ressort avec l'ego. Et là, comme par hasard, on a la libération. Donc la libération, peut-être vous débarrassez-vous enfin de vos peurs, peut-être vous débarrassez-vous enfin d'une situation toxique ce mois-ci, les cancers. Ouais, donc la libération, c'est la mort dans le tarot de Marseille. Donc il y a potentiellement cette idée peut-être de lâcher quelque chose qui pouvait vous freiner dans votre vie, une dépendance. Elle peut être affective, elle peut être matérielle, ça peut être aussi des idées négatives, ça peut être des peurs, ça peut être une addiction. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, on pourrait être vraiment sur la fin de quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit pour votre mois de juin, mes amis les cancers. En tout cas, on a deux arcanes majeures, donc un mois fort pour vous les amis. Ça, je le mettrai dans le titre. Ouais. Allez les cancers, on y va. Alors, on va aller voir comment vous démarrez ce mois de juin. On va aller voir quel est votre défi, votre challenge ce mois-ci. Qu'est-ce qui ressort de positif? On va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités en général, d'accord? Le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, ça peut être aussi vos loisirs. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue de ce mois de juin, l'issue du tirage. Donc ça peut bien évidemment commencer avant et s'étaler après. Ouais, on a un 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le 9 de bâton, votre défi, votre challenge, le 6 de coupe. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 9 d'épée, d'accord, super. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 7 de bâton, on a les amoureux dans la vie professionnelle, on a le page d'épée dans la vie relationnelle, nous avons le 6 de bâton dans la vie spirituelle, et vous finissez avec la lune. Oh oh. Ok. Ok, 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 les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux. On a les amoureux dans le domaine professionnel et on a la lune sur les suites tirages. Dominée quand même par le diable et la libération, donc la mort, sur les dominantes de votre moi. D'accord. Sinon, on a quand même pas mal de bâtons. On a trois bâtons. On a deux épées. On n'a pas de denier. On a une coupe. D'accord. Ok. Alors, vous commencez le mois avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est celui qui a, qui a lutté. C'est celui qui a, voilà, passé quand même pas mal d'étapes. C'est celui qui est pratiquement arrivé au bout. Donc, il est question de rester motivé, de rester déterminé pour aller au bout de quelque chose. Il y a aussi cette notion, voilà, de protection. On ne veut pas perdre un petit peu tout ce qu'on a gagné jusqu'à présent, tous les efforts qu'on a faits. Il y a cette notion, voilà, de se protéger, mais cette idée aussi de rester déterminé et dans le courage pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à un travail sur vous-même? Est-ce que c'est par rapport à une dépendance? Donc, elle peut être affective. Est-ce que c'est par rapport à une situation toxique où on ne renonce pas, on est décidé à aller jusqu'au bout, coûte que coûte? D'accord?
Votre défi, votre challenge, c'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe fait souvent référence au passé. Et ça va être votre défi. Il y a peut-être un passé à lâcher. Il y a peut-être une certaine nostalgie, des certains moments de votre vie qui restent un petit peu gravés dans votre tête, qu'il va falloir laisser tomber. Le 6 de coupe en défi, ça peut aussi me parler justement du soutien que pourraient vous apporter les autres. Potentiellement des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça pourrait être aussi de repenser à... Il y a cette notion quand même d'enfant intérieur, cette notion de rêve. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez tout petit? En quoi vous croyez quand vous étiez tout petit? Donc, on peut aussi nous parler d'un passé qui pourrait refaire surface. Hein. Et justement, ça va être un défi, un challenge pour vous. Vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose, mais comme par hasard, l'univers, il vous teste. Quelque chose du passé refait surface et ça pourrait être justement synonyme de défi. Donc on peut être un petit peu sur toutes ces choses. De toute façon, après moi j'irai recouvrir avec le tarot de l'intuition. Ce qui ressort de positif, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée dans sa version positive, c'est la fin d'un stress, c'est la fin des angoisses, c'est la fin de se dire j'y arriverai pas, ça va être trop dur, ou je suis pas assez prêt, ou je suis pas assez compétent. Ou vous voyez cette notion voilà de se prendre la tête, de ressasser des pensées, mais négatives. Encore une fois, ça me fait référence un petit peu à l'ego, au diable. Hein. C'est ces pensées qui vont venir obstruer quelque chose dans lequel vous mettez de l'effort, dans lequel vous êtes pratiquement arrivé au bout. Donc il y a vraiment cette idée de dépasser un mental ce mois-ci qui pourrait être néfaste pour vous. Ok. Dans la vie sentimentale, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, vous défendez quelque chose. Ce mois-ci, vous campez sur vos positions par rapport dans une relation existante ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Il y a quelque chose que vous défendez bec et ongle, quelque chose dans lequel vous ne dérogez pas. Et on peut voir justement tous ces bâtons qui sont un peu rivés contre vous. Alors, est-ce que vous êtes en opposition avec cette certaine personne? Est-ce que vous êtes en opposition avec votre autre? Est-ce que vous êtes en opposition par rapport à vos idées négatives? Il y a quelque chose qui fait que vous résistez. Vous êtes sur la défensive au niveau sentimental. Donc, peut-être que tout simplement, pour certains, ça pourrait être aussi le fait de ne pas vouloir s'ouvrir à l'amour. Hein, vous restez fermé. Ou alors, dans une relation, vous avez un point de vue et vous ne voulez pas en démordre. Mais ça démontre quand même, en plus on a le 9 de bâton au-dessus, quand même une certaine détermination à résister à quelque chose. Ok. Donc ça après, vous voyez hein, par rapport à ce que vous vivez les amis. Hein. Au niveau du professionnel, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est quoi ? C'est le choix de cœur par excellence, mais c'est aussi les doutes. Vous avez peut-être un choix important à faire dans votre vie professionnelle ou dans une activité pour ceux qui ne travaillent pas. Ou... Là, il y a vraiment cette notion de générer du doute par rapport à un choix de cœur. Vous êtes peut-être emballé par deux postes, vous avez peut-être deux propositions, vous avez peut-être deux directives possibles au niveau du professionnel ou au niveau de vos activités et là arrive le doute. Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Dans quoi je vais être le plus à ma place? Donc, il y a cette idée, ce mois-ci, justement, de choix qui pourrait s'imposer à vous, mais qui pourrait aussi vous faire douter. Donc, je ne vous dis pas que vous allez faire votre choix ce mois-ci, mais il y a quand même cette notion d'être un petit peu trituré par un choix sur ce mois de juin. Les amoureux, ça pourrait être aussi une rencontre forte sur votre domaine professionnel ce mois-ci ou lors d'une activité. Hein. On peut être sur la rencontre avec l'âme sœur, on peut être sur une rencontre, assez intense. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que justement vous allez résister. Pour certains, vous allez vous dire « Ouh là là, non, c'est au travail, je veux pas de ça dans mon travail. » Et vous pourriez justement camper sur vos positions par rapport à quelque chose de fort que vous ressentez pour quelqu'un sur ce mois de juin. C'est possible. Les amis. Ouhou, attention. Désolée, j'ai ma machine à laver qui tourne.
On continue, j'espère que ça vous embête pas trop. Dans la vie relationnelle, on a le page d'épée. Donc potentiellement, vous pourriez apprendre des nouvelles choses dans votre vie relationnelle. Donc on pourrait se mettre dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion. Il y a cette notion de page d'épée aussi, d'être aussi sur les réseaux. Hein. Ça parle beaucoup de communication, d'échanger, d'apprendre à connaître une personne, de communiquer. On peut être beaucoup voilà, dans ses loisirs, via les réseaux, Internet, les chats, voyez, comment dire, des réseaux où on communique, où on dialogue avec quelqu'un, c'est possible. Vous pourriez aussi faire des recherches par rapport à certaines choses. Il y a cette idée, voilà, de creuser potentiellement pour trouver une vérité aussi. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un contexte particulier. Le page d'épée, c'est celui qui recherche quelque chose et qui veut obtenir une certaine vérité, qui veut obtenir des choses concrètes, soit par le biais de recherche, soit par le biais d'une communication. Dans la vie spirituelle, vous avez un 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est celui qui gagne, c'est celui qui veut être reconnu. C'est celui aussi qui a traversé pas mal de batailles et qui arrive enfin à sa victoire. Donc pour moi, vous commencez avec un 9 de bâton. 6 de bâton dans la vie spirituelle, c'est que vous souhaitez aller au bout de quelque chose, vous souhaitez vous sentir victorieux de quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à une addiction? Est-ce que c'est par rapport à une dépendance? Est-ce que c'est par rapport à une situation toxique? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est par rapport à vos pensées? Est-ce que ça pourrait être aussi par rapport à des manipulations? Ça peut être vraiment beaucoup de choses, voyez. Donc, on parle de sentiment d'étouffement, mais il y a quelque chose qui vous emprisonne, dont vous souhaitez vous libérer et dont vous souhaitez obtenir la victoire. Alors, est-ce que ça peut être de votre passé ou de quelque chose qui ressurgit du passé? Est-ce que ça peut être une relation auquel on résiste? Parce que on voit qu'avec le 2 de denier, la libération, vous jonglez. C'est pas évident pour vous. Vous restez campé sur vos positions, mais avec le 2 de denier, vous pourriez être un petit peu instable au niveau de vos émotions sur le fait de mettre un terme définitif ou pas. Et vous finissez avec la lune. Donc la lune me dit bien, me parle de vos émotions, me parle de cet océan d'émotions. Donc ça peut parler aussi de votre inconscient. La lune représente aussi les rêves, le monde imaginaire. Ça peut aussi représenter des illusions. Mais ça peut aussi représenter le brouillard, tout ce qui est caché, tout ce à quoi on n'arrive pas à faire de la lumière. Donc là, j'ai l'impression que sur cette fin juin, vous pourriez être plongé un petit peu sur le fait qu'est-ce que je ressens vraiment, hein. Vous pourriez justement plonger un peu dans les profondeurs de ce que vous ressentez. Donc ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire, ça pourrait être de vous libérer de pensées obsessionnelles ou dans lequel vous menez une lutte, dans lequel vous menez un combat. Ça pourrait être en phase avec un passé qui revient. Ça pourrait être en phase avec le fait de se détacher de quelque chose. Donc je vais aller remettre des cartes sur tout ça, les amis cancers. Ça pourrait être tout simplement des peurs, hein, hein, parce que la libération, ça parle tout seul, hein. Il y a cette notion de se libérer, d'acter une certaine transformation, soit intérieure, soit par rapport à une situation bien présente. Alors, pour mes cancers, qu'est-ce que nous avons avec ce 9 de bâton? Eh ben oui, ouais. Vous êtes bien déterminé à aller vers une certaine forme de réussite, une certaine forme de victoire, à retrouver aussi une certaine paix. Le soleil représente beaucoup de choses, représente la vérité, représente aussi l'éclaircissement, le fait de mettre en lumière quelque chose, peut signifier aussi la vitalité, retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. Donc, vous êtes pratiquement au bout, justement, pour mettre en lumière quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe dans le défi, dans le challenge? Ok. Ouais. Attention à un passé qui pourrait revenir, qui pourrait vous éveiller des nouvelles émotions. Hein. C'est possible. Le 6 de coupe avec le valet de coupe, c'est des émotions qui pourraient émerger ce mois-ci. Des nouvelles émotions. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé. Ça pourrait être aussi un attachement, hein, que vous n'arrivez pas à vous défaire lié au passé, hein, qui pourrait justement générer des émotions que vous avez du mal à maîtriser. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Quel va être
avec, alors plutôt, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée dans le positif? Ben, on retrouve ce 7 de bâton. Hein. Donc, il y a cette idée de ne pas se laisser obstruer par des pensées négatives. Il y a un contrôle du mental qui se fait et ça, c'est ce qui revient dans le positif. Vous résistez à des pensées, vous résistez à des envies, vous résistez à des choses voilà, qui pourraient vous maintenir dans une certaine inaction. Le 9 d'épée, c'est lorsque l'on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ne voit pas d'issue. Et pourtant, on voit que vous reprenez une certaine combativité. Hein. Y a une certaine résistance qui fait que malgré ces pensées obsessionnelles, vous réussissez à surmonter par le fait de résister à quelque chose. Ok. Alors, est-ce que vous résistez à un retour du passé? Est-ce que vous arrivez à reprendre le dessus par rapport à des pensées? Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâtons dans la vie sentimentale? Le chariot. Ok. Donc, vous pourriez résister sur le fait d'aller à un rendez-vous, de vous déplacer. Le chariot représente beaucoup le déplacement. Donc, si c'est un retour du passé, il y a vraiment cette notion, voilà, de camper ferme sur ses décisions. Je me déplace pas, j'irai pas, je ne veux pas te voir. On résiste et on est déterminé à suivre sa route, à suivre son chemin. Donc, il y a quelque chose auquel vous faites face. Hein. Là, c'est très clair. Sur ce mois de juin, les cancers. À quoi vous résistez? À quoi vous faites face comme ça? Ça peut vraiment se passer au niveau sentimental. Puisqu'avec le chariot, on voit que vous êtes... Il y a quand même une certaine motivation à camper sur ce qu'on a décidé. À ne pas lâcher. Malgré que ça vous obsède, malgré que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans la vie professionnelle? Ah ouais. D'accord, ok. Donc comme je vous disais, hein, ça pourrait être justement un choix de cœur important dans votre vie professionnelle qui pourrait générer du doute, qui pourrait aussi générer une certaine lutte intérieure. Hein. Le 5 d'épée, c'est, comment dire, c'est quand même un peu hostile. Hein. Ou ça pourrait être justement une rencontre que vous pourriez faire ou... quelque chose quand même d'assez fort, d'assez intense dans votre travail ou dans une activité qui pourrait amener, comment dire, certaines disputes, qui pourrait amener certaines tensions, certaines pressions. Hein. On voit que c'est quelque chose qui vous tient en pression. Donc, soit c'est un choix, soit c'est une rencontre quand même assez forte, une âme sœur, quelque chose qui pourrait créer de la tension, qui pourrait créer de la pression dans votre environnement professionnel. On pourrait être aussi sur un choix important de cœur à faire. Voilà, est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce que j'y vais quoi qu'il en coûte? Hein, il y a quand même cette notion, voilà, de victoire dans tout ça, de se dire qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, qu'est-ce que je suis prêt à donner pour obtenir cette victoire dans mon travail. Vous voyez? On pourrait être vraiment là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le page d'épée dans la vie relationnelle? 6 de denier, ok. Donc là, on peut parler justement d'une connexion avec quelqu'un, d'échange, de communication, de creuser, d'apprendre à connaître une personne ou de s'informer aussi sur des aides possibles par rapport à un contexte, par rapport à un projet que vous menez, par rapport à quelque chose que vous voulez faire avec des amis, des choses comme ça. Là, on parle de la vie relationnelle et on parle aussi potentiellement... comment dire, de soutien, hein, de rechercher un peu de soutien autour de soi. On pourrait être aussi sur des communications blessantes avec certaines personnes. Hein. Il y a peut-être cette idée, comment dire, de communication maladroite qui pourrait aussi créer une instabilité au niveau de l'échange. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup, ça pourrait être d'être à la recherche de soutien, d'avoir envie de discuter, d'avoir envie de parler à des personnes... donc, ça peut être auprès de ses amis, auprès d'un parent, quelqu'un de la famille, parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton dans la vie spirituelle? Et le jugement! Ok.
Donc vous êtes à la recherche d'une victoire, vous êtes à la recherche d'un accomplissement. Il y a cette idée voilà de renaître. Avec le jugement, c'est la deuxième chance, c'est l'éveil, c'est le réveil. Donc il y a vraiment cette idée voilà de vous êtes dans une en vous, vous avez besoin de renaître à quelque chose. Et voyez, il y a cette notion de se libérer de quelque chose, de résister à quelque chose auquel on veut mettre fin, auquel on a déjà mis fin et qui pourrait revenir ce mois-ci. Et vous êtes dans une dynamique de renaissance, dans une dynamique où, voilà, je souhaite repartir sur quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a avec la lune, mes chers? Eh ouais. Ouais. Bah, l'huit de coupe, hein, c'est que vous passez à autre chose. Hein, vous tournez le dos. Hein. Le 8 de coupe, c'est celui qui part vers de nouvelles contrées. C'est celui, en fait, qui passe un cap supérieur au niveau émotionnel. Donc, autant vous avez pu un petit peu vous torturer ce mois-ci parce que vous avez dû faire preuve de résistance pour vous libérer de quelque chose définitivement. Mais là, avec la Lune, il y a quand même cette idée voilà, d'émotion qui fait que vous pourriez laisser un état émotionnel derrière vous. Le 8 de coupe, c'est celui qui s'en va, qui laisse quelque chose qui ne le nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, pour moi, cette Lune avec ce 8 de coupe me fait bien référence que vous tournez le dos à une certaine obscurité, que vous tournez le dos à quelque chose voilà, qui a pu vous générer de l'angoisse, qui a pu vous générer du stress, qui a pu vous générer une certaine, comment dire, un certain brouillard, un certain flou dans votre vie. Donc, la Lune, c'est vraiment de plonger dans ses émotions pour justement faire un peu le point. Et on voit bien qu'avec le 8 de coupe, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, je suis prêt pour aller chercher ma 9e coupe. Je suis prêt pour laisser quelque chose de manière définitive derrière moi, ou peut-être que ça va me prendre encore un peu de temps, mais il y a quand même cette envie de lâcher quelque chose qui n'a plus autant d'attrait qu'avant, dont vous avez envie de vous libérer dans tous les cas. Eh ben, mes cancers, hein, il y en a des choses ce mois-ci, dis donc. Allez, un petit conseil pour vous accompagner sur ce mois de juin, mes chers, un petit conseil. Qu'est-ce que nous avons? On a l'œil. Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de te sentir tranquille à tes côtés. Non, de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Là, on est clairement sur un message de lâcher prise. Eh bien, voilà les amis cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.